Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique littéraire. Avant tout, je voulais vous présenter notre nouveau décor qui n'est juste pas fini à cause d'Amazon et sa non-livraison depuis 2 semaines. Bon, alors aujourd'hui, chronique littéraire d'un super recueil de nouvelles que j'ai eu la chance de découvrir en format numérique. Il s'agit de Dissonance, publié aux éditions Nouvelle Bibliothèque des auteurs donc Marie-Hélène Fasquel et Gabriel Hernard. Donc je vous laisse imaginer ce recueil de nouvelles au travers de son résumé. À travers quelques portraits de musiciens, ce recueil de nouvelles raconte des histoires singulières, où la musique entraîne des réactions imprévisibles, dues à des accoutumances, des addictions, des perturbations mentales, des névroses, façonnant un destin qui avance comme la mécanique bien huilée d'une symphonie. Rien n'est jamais simple dans l'univers des rythmes et des fréquences qui imprègnent les esprits, les déforment, les dévoilent, jouent de la morale et font parfois chavirer des personnages banals vers une dramaturgie cruelle. Comme je vous le disais, c'est un magnifique recueil qui ont pour thème donc la musique. Il est composé de 9 nouvelles. De base, les nouvelles, c'est pas trop un format que j'aime lire parce que je trouve ça trop court, parce que l'histoire va trop vite. Donc de base, j'en lis quasiment jamais. Et c'est vrai que pour une fois, je me suis laissée tenter parce que si je connais Marie-Hélène et que j'avais vraiment envie de découvrir sa plume à travers ce recueil. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce recueil? Je l'écoutais avec beaucoup de musique en fait. Pas celle que j'écoute de base, je me suis inspirée en fait de musique classique pour l'écouter. Parce que j'avais envie de découvrir un autre univers, j'avais envie de m'inspirer d'un petit peu autre chose. Et l'expérience s'est révélée vraiment formidable. Donc j'ai beaucoup voyagé à travers les plumes donc de Gabriel et Marie-Hélène. On sent en fait tout le travail de recherche qu'il y a eu derrière, le fait que leurs plumes se concordent réellement parce qu'il n'y a pas de, y a pas en fait de différence. C'est compliqué à expliquer comme ça, mais quand on écrit un quatre mains, c'est un travail vachement compliqué. Et là, je trouve qu'il y a une harmonie parfaite entre eux. C'est super fluide, il y a de l'idée. Vraiment, il y a tout pour passer un excellent moment. Il y a une certaine exploration littéraire qui se fait au fur et à mesure de ce recueil. On va commencer par une femme vivant avec sa solitude pour avancer dans ses nouvelles, pour être avec un petit musicothérapeute, adepte d'une certaine théorie, et finir au bord d'un voilier. Au fur et à mesure des pages, on découvre, on aime, on se passionne carrément pour cet univers qui est vaste et qui est la musique. Personnellement, j'ai beaucoup voyagé à travers le recueil. J'ai quand même eu un petit coup de cœur. Il faut que je vous parle de Nu-Tête. Alors pourquoi j'ai eu un petit coup de cœur pour Nu-Tête? Parce que le personnage est si énigmatique qu'on a envie de tourner les pages pour le découvrir et qu'il y a un côté qui mêle folie et côté sombre dans cette histoire. Ce côté sombre qu'on aime tous lire à travers les livres. Passons à la lecture de l'extrait qui, j'espère, vous donnera envie de lire Dissonance. Courbé en deux, je quitte l'estaminet. La rue Sainte-Catherine est à deux pas. Je pousse la porte d'entrée fracturée. Pas de minuterie. Tout en montant l'escalier où filtrent les disputes quotidiennes de ménage à bout de souffle, je revois Anouk m'observant au cours des répètes. Pourquoi est-elle venue à Lille? J'allume mon portable pour éclairer le palier et j'aperçois une lettre glissée sous la porte. Je déchire l'enveloppe et reconnais aussitôt l'écriture d'Anouk. Je n'ai pas besoin de lire ce qu'un seul mot pourrait résumer, le mot « solitude ». Eh bien, je crois que c'est tout pour nous aujourd'hui, donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir Dissonance. Je vous rappelle qu'il est publié aux éditions Nouvelle Bibliothèque, il est disponible sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, enfin un peu partout. Et vraiment, je vous invite à découvrir ces deux auteurs qui ont une plume fantastique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va parler d'un contrat d'édition. Sur ce, je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous !